kina mawa na zongi ne sengo asali ya mingi. Réellement notre Père. Amen. 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 Alléluia. Je suis très content de nous avoir aujourd'hui ici. Parce que, comme le pasteur a l'habitude de le dire, c'est des vainqueurs qui ont frappé les forts, tout pour être là ce soir. Amen. Amen. Vous savez que ici, vous avez un rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que chaque jour que Dieu vous protège, chaque matin, chaque soir, vous revenez, vous n'avez parfois pas assez de temps pour l'adorer comme vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous l'avez fait. Vous avez adoré votre Seigneur. Vous avez Amen. Glorifié le roi des rois. Amen. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie pour être là ce soir? Amen. Prions le Seigneur. Là où tu es, tu fermes tes yeux. Et tu demandes à ton Père de te parler. Parce que c'est lui seul qui peut te parler. C'est lui seul qui peut t'orienter. C'est lui seul qui peut t'apporter les solutions, la solution à ton problème ou à tes problèmes de ce soir. Parce que quand tu viens devant ton Dieu, tu as quelque chose à lui dire. Et on est là pour ça. Amen. On est là pour l'adorer, bien sûr. Amen. Pour lui dire merci, papa, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Mais en tant que son enfant, on est là aussi pour lui dire, papa, j'ai besoin de quelque Amen. Chose. Amen. Papa, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Papa, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma famille et j'ai besoin de toi ce Amen, soir. Amen, Seigneur, merci. Parle-lui. Alléluia, Seigneur. Dis-lui de te parler. Dis-lui de te parler ce soir. Parle-moi, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, merci. Parle, Seigneur, Jésus que ça. Que tu fasses cet esprit, Seigneur, et que tu puisses cet esprit parler à tes enfants à travers moi, merci, Père. Merci. Papa, que tu les orientes. Merci, Seigneur. Dis-leur ce qu'ils ont besoin d'entendre et d'écouter pour changer leur vie, pour changer la direction de leur vie, cet esprit. Oui, l'Éternel, parce que quand tu dis on vient en toi, l'Éternel, avec nos fardeaux, avec nos incapacités, nos insuffisances, parce que chez toi, l'Éternel, tu nous donnes le chemin à suivre, car tu vas nous délivrer déjà, premièrement, de tout ce que nous avons dans nos fardeaux. Et Seigneur, tu nous orienteras vers ces voies, l'Éternel, que toi veux pour nous. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 S'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Amen. Quand on dit Jésus est vivant, vous dites il est ressuscité. Amen. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Amen. Comme on le dit, il y a un serviteur de Dieu que je me rappelle encore, il dit quand on dit ça, ça choque quelqu'un. Vous savez qui ça choque? Parce que quand on dit il est vivant, c'est toujours comme si on le rappelle à notre ennemi qui est le diable que j'avais raté quelque chose, j'avais manqué à quelque chose. Parce que tu le rappelles, réellement Jésus est vivant. Amen. Même s'ils sont là et quelqu'un t'a suivi, les esprits t'ont suivi, mais ils ne peuvent pas entrer, même s'ils sont à la porte. Mais quand tu dis Jésus est vivant, là ça choque. Amen. Amen. On peut retourner dire Jésus est vivant pour que ça choque nos ennemis. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Ressuscité. Il est vivant. Ça compte plus pour ça. Alléluia. Amen. Je vous invite aujourd'hui à discuter ensemble, à partager son message avec un thème, bien sûr. C'est sur ce thème que nous allons peut-être discuter, nous allons causer, parce que c'est ça, parler avec notre Père. Amen. Quand il vient, c'est comme si ton papa retourne de soi. Je me rappelle quand on était encore enfant, quand mon père revenait, tout le monde était là, et il dit, on va parler. Il demande, qu'est-ce qui se passe pas dans la journée, comment ça a été ta journée, comment, et puis on lui expliquait des choses. Bien sûr, on disait que maman m'a frappé aussi. Voilà, donc... C'est pour dire aussi que voilà, j'ai eu des problèmes, papa. J'ai ceci, papa. Et le message qu'il va te donner, il va te dire, oui, bien sûr, tu as eu ça. Mais voilà, tu vois, tu peux ne plus retomber dans ça en faisant ça. Amen. Amen. C'est ça, parler avec nous, papa. Amen. Discuter avec lui. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, est-ce qu'on est dans la joie d'être là? Parce que Amen. Si tu es dans la joie, c'est parce que tu sais que tu viens rencontrer quelqu'un. Amen. Parce que tu n'es pas venu ici pour rien.
Sinon, tu allais rester à la maison. C'est un rendez-vous avec ton papa. Mm-hmm. Nous devons savoir que c'est un rendez-vous. Chaque fois qu'on est là, c'est un rendez-vous Amen. Avec le papa. Amen. Et ce rendez-vous, c'est comme si tu as dit à ton père, je dois venir à 10h et papa sait qu'il va être, mes enfants vont être là. Lui aussi, les deux sont dus Amen. Pour rencontrer ses enfants. Alléluia. C'est un plus pour nous. Amen. On peut vous prier à la maison, Dieu est toujours là dans notre chambre. Amen. Dieu est toujours là dans nos lieux de travail. Mais ça fait du bien d'être ensemble, comme il a dit. Ça fait du bien pour que les enfants de Dieu se retrouvent ensemble et de partager les messages. Parce que les messages que les hommes de Dieu nous livrent, que Dieu le permet de livrer, c'est des promesses qui sont à l'intérieur. Amen. On est là pour ces promesses-là. Amen. Parce que tu n'as pas le temps parfois d'aller aux profondeurs, de fouiller ces promesses-là. Mais lui que Dieu a choisi pour être là, c'est son travail d'aller chercher, de fouiller ces promesses pour toi. Mm-hmm. Et quand tu te prouves que tu retrouves ces promesses, tu écoutes ces promesses, c'est ça qui te donne, qui te redonne la force. Amen. Tu donnes la force. Amen. Parce qu'il y a des choses cachées. La Bible, il y a des choses qu'on n'a même pas encore écoutées, on n'a même pas encore su, parce que c'est caché, c'est rempli des mystères. Alléluia. Et les serviteurs de Dieu sont là, puisque c'est leur temps, c'est leur moment d'aller fouiller, de chercher et de te dire, papa veut que tu fasses cela. Amen. Et je lui dis, c'est la puissance de témoignage dans la vie d'un enfant de Dieu. Puissance de témoignage. Parce qu'on ne cesse pas de dire ici. Pourquoi aujourd'hui, on a tendance à voir sur les réseaux sociaux, presque toutes les églises sont sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il y en a qui veulent seulement montrer qu'on est là pour, voilà, pour leur église. Mais en réalité, c'est pour témoigner la gloire de Dieu. Parce qu'on ne peut pas vivre quelque chose de Dieu, les actions de le Saint-Esprit, et ne pas nous témoigner. Si aujourd'hui, le serviteur de Dieu, Tim Chouzoua, que Dieu a utilisé pour ne pas prendre le chemin de montrer aux gens tout ce que Dieu est en train de faire dans la vie de bien-aimés là-bas au Nigeria. Mais on ne saura pas. Parce qu'il faut les montrer. Parce que ça doit sauver quelqu'un. Amen. Parce que ça doit transformer quelqu'un. Amen. Parce qu'il y a une puissance de Saint-Esprit derrière. Amen. 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 C'est pour cette raison qu'on dit la puissance de ces témoignages-là. Mais les témoignages qui viennent de Dieu, il y a la puissance derrière. Amen. Pourquoi puissance? Parce que la Bible dit, les apôtres ont témoigné la grandeur de Dieu. Et quand ils témoignent la grandeur de Dieu, il y avait des manifestations. Et nous, aujourd'hui, vous et moi, on est en train de lire la Bible, qui est remplie juste des témoignages, qui est remplie juste des histoires que Dieu, des actions, des témoignages que Jésus-Christ a pu le faire pendant tout ce temps qu'il était sur la terre. Et encore, des choses qui sont passées dans l'esprit. Nous lisons la Bible parce qu'on a besoin de témoignages. Nous Amen. Lisons la Bible parce qu'on veut savoir si mon problème actuel là, est-ce que quelqu'un n'a pas surmonté, a vécu ça? Alléluia. Amen. Puisque si tu écoutes la parole de Dieu ou tu regardes à la télé par exemple ou sur les réseaux sociaux, quelqu'un est en train de parler de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il est en train de vous dire que moi, Dieu m'a béni, je suis sorti de là. Ça, c'est le témoignage. Et quand tu écoutes ça, parfois quand tu entends de prier, tu es dans des moments de prière, des jeûnes et prières, et tu écoutes ça, tu dis Amen. Parce que quand on dit Amen, c'est-à-dire que cela soit ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il doit faire ainsi dans la vie? Qu'est-ce qu'il doit accomplir dans la vie? Ça, c'est la puissance qui est derrière ce témoignage qui doit t'accomplir dans ta vie. Parce que tu l'as accepté. Alléluia. Amen. Les témoins, c'est des choses qui sont arrivées, c'est des choses réelles de la part de Dieu. C'est la démonstration des fois, par exemple, des miracles, des choses impossibles pour l'homme, mais qui est possible pour Dieu, Amen. Qui est possible pour les enfants Amen. De Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On a vu David, qui était plus jeune, mais c'est vrai que Dieu a choisi ce temps, étant enfant. Mais la Bible dit qu'il a aussi démontré sa foi. Amen. Amen. Il a démontré sa foi. Parce que quand on écoute, on sait qu'il a démontré sa foi. Oh, peuple de Dieu, on dit que Goliath était là. Les gens qui étaient là, ils disent non. Il est en train de moquer de Dieu, d'insulter même la parole de Dieu, d'insulter le peuple de Dieu. Mais écoutez, tout ce monde était là. Ils sont remplis aussi de cet esprit. Ils ont connu Dieu. Ils savent qu'il y a un Dieu.
Mais il a fallu qu'une personne qui essaye de pousser, de démontrer la puissance qui est derrière, qui est cachée derrière sa foi, de dire oui, je veux me lever parce que Jésus-Christ est avec moi et je dois aller combattre ce temple-là. Mais aujourd'hui, nous l'avons suivi. Pourquoi? Parce que on a écrit. Les gens ont témoigné. Les gens en ont parlé. On a fait des films avec, on a vu. Et si aujourd'hui on va se lever pour un combat spirituel, on se rappelle de cet homme-là. On se rappelle par exemple de Samson. On se rappelle de Marie, où c'est une femme qui a laissé sa vie simple, très simple, et à part pour la gloire elle, pour accomplir certaines choses jusqu'à aujourd'hui. Témoignage. Regardez, témoignage. Parce que les gens ont témoigné. Les gens m'ont parlé. Et vous et moi, nous avons pris cela comme nous. Quand on écoute ça, quand on prêche, on dit Amen, on reçoit cela, et demain, on est délivré aussi de nos problèmes. Nous allons lire un passage dans la parole de Dieu, et que j'aime beaucoup, c'est dans Matthieu 8, 5, 17. C'est une histoire que vous connaissez bien sûr. Je demanderai au frère Céliat s'il veut dire ça. Matthieu 8, on va lire 5, c'est vrai, c'est long, on va lire juste une partie, je dirais aux frères de s'arrêter, si c'est ce moment que c'est que le Saint-Esprit dit juste d'écouter et nous allons parler dessus. Mais, nous, comme d'habitude, écoutez la parole. Matthieu 5, Matthieu 8, Matthieu 8, à partir du verset 5. Oui. Amen. Guérison du serviteur d'un centenier. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Amen. Amen. Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Verset 9, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Verset 11. « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. On s'arrête là maintenant. Merci frère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez écouté cette histoire. Vous le connaissez aussi comme moi. Vous connaissez aussi la suite. Mais la suite, ce n'est pas l'histoire en tant que telle qui m'intéresse. Mais il y a quelque chose qui m'a touché. C'est que la Bible dit, il y a eu quelque part aussi, que ce responsable de ces soldats-là, à écouter parler de l'Éternel, à écouter parler des œuvres de Dieu, de Jésus-Christ. Il n'est pas un enfant de Dieu, en quelque sorte, parce qu'il n'est pas chrétien comme nous aujourd'hui. C'est un païen, la Bible l'a dit. Mais il a écouté, entendu parler des dieux. On a dit qu'il y a un Jésus de Nazareth qui peut faire des miracles, qui peut sauver des vies. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti le chercher. Il est parti le chercher pour son serviteur qui était malade. Mais ce qui m'a touché, c'est que le fait d'entendre parler de Jésus-Christ. Il a écouté parler de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de témoignage. Quelqu'un a dit, les gens ont parlé, dans leur vie ont été dit, voilà, il y a un monsieur, un Jésus de Nazareth qui fait des miracles. Ça, c'est témoignage. Est-ce que si les gens ne parlaient pas, s'il n'y avait pas de témoignage de la part de Jésus-Christ pour partir très loin, pour que ce monsieur quitte là où il est, pour vivre la guérison ce jour.
parce qu'il a écouté. Il a parce qu'on a parlé de lui. Et les gens sont venus à connaître le roi des rois qui était là. Les bien-aimés, c'est les témoignages qui sauvent parfois. L'esprit qui est caché derrière, le Saint-Esprit qui était là, le Saint-Esprit qui a permis qu'il y ait lu ces miracles-là. Pour que les gens puissent l'en parler. Parce qu'il y a eu quelque chose. La démonstration de la foi était là quelque part. Et ce monsieur a écouté. Il est venu. Malgré qu'il n'est pas, comme je le dis, un chrétien, il était païen. Il a écouté parler de Jésus. Il a cru. Il dit, il va venir voir ce monsieur. Ce monsieur va guérir mon serviteur. Parce qu'il sait, la Bible dit qu'il a fait une démonstration de la foi. Même Jésus-Christ l'a dit. Il n'a jamais vu quelqu'un comme ça. Est-ce que Jésus peut pas parler de cette manière pour nous aujourd'hui? Amen. J'ai écouté juste. Amen. Amen. Est-ce que Jésus peut parler de nous, de vous et moi comme ça? Amen. Amen. Ah, l'amen est timide. L'amen est timide. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça, mes bien-aimés. Parce que nos amen sont toujours timides. Mais comment on peut recevoir si nos amen sont timides? Parce que amen, quand je le répète ici, que cela soit ainsi. Ainsi. Amen. 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 Ainsi dans ma vie, je veux revivre ça aussi. Et on parle, on dit, est-ce que Dieu veut parler comme ça pour vous? Juste parce qu'il faut dire amen. Non, mes bien-aimés, le amen doit venir. Amen. L'intérieur de nous, la main doit s'accompagner de la puissance qui sort de cette parole. Amen. Parce que Jésus-Christ attend de toi pour dire oui, tu peux recevoir cela. Amen. Ah, on va dans les églises, on prie le Dieu, on dit oui, Dieu va faire des miracles. Amen. Dieu va faire des miracles. Amen. Notre amen est timide. Oh, et c'est ça que fait de nous. On peut prier 10 000 fois, on peut être à l'église pendant des années. Mais quelqu'un qui vient aujourd'hui, il a reçu, il a dit amen. Amen, il a cru, il a accepté, ça rentre en lui et ça fait des démonstrations dans sa vie. Amen. Et après, j'avais dit, mais lui, là, comment il est venu aujourd'hui? Et puis, c'est seulement aujourd'hui, hein, il a reçu des miracles. Ah, et moi, j'ai passé des années dans cette église. Hein. Pourquoi Dieu ne me touche pas? C'est parce que tu ne veux pas que Dieu te touche. Tu as bloqué quelque chose pour que Dieu puisse te toucher. La parole de Dieu dit, c'est juste la parole. Même Dieu a créé toutes choses avec la parole. Mais si la parole sort et d'accepter, tu n'as pas accepté. Après tu cries, non, Dieu ne m'aime pas. Ou c'est que Dieu faisait là, c'est depuis toujours là-bas, pas aujourd'hui. Non, la Bible dit qu'il est même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut accepter les bien-aimés. C'est ça la puissance derrière le témoignage. Amen. Ici, dans cette église, notre communauté, pasteur a eu des soucis avec nos bien-aimés parce qu'ils ne veulent pas témoigner. Alors que le Saint-Esprit qui a donné ce ministère au serviteur de Dieu a dit, il faut témoigner. Mmh. Il ne peut que le faire. Il ne peut que le faire. Parce que s'il ne le fait pas, il a un compte à rendre à Dieu. Il a répété ici, qu'on n'est pas nombreux, qu'on n'est pas ceci, mais Dieu veut que ces témoignages qui se passent ici, des miracles que Dieu opère ici, soient partis loin. Amen. Soient partis loin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soient partis très loin. Amen. Du monde, parce que Jésus veut toucher quelqu'un. Merci c'est Seigneur. C'est qui va dire amen. Amen. Quelqu'un qui est là dans ses sommeils, dans la nuit quelque part, et quelqu'un, il était malade, mais une personne est en train de prier juste à côté. Et cette personne est en train de demander la guérison de son corps parce que quelque chose n'allait pas. Et cette personne est dans l'autre maison à côté. Quand la personne a fini de prier, lui aussi il a dit amen. Il a reçu la même délivrance que l'autre. Amen. La même guérison que l'autre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a accepté. Amen. Cette personne parlait à son Dieu. Il dit, Jésus, tu es capable de tout. Jésus, tu vas le faire parce que tu as dit, ceci a parlé. Après, lui a cru aussi. Puis, Paul a fait ci. Pierre a fait ci dans la Bible. Il a parlé de Moïse. Il a parlé de Simon. Il a parlé de tout. Et le gars qui était malade à côté a accepté tout ça.
a reçu tout ça, a cru que Jésus-Christ peut le faire. Et quand il a fini, il a juste dit Amen ici. Lui aussi, il a reçu sa part. Amen. Lui aussi, il a reçu sa part. Amen. Jésus-Christ attend des gens qui veulent recevoir. Amen. On ne prêche pas ici que de prospérité et prospérité, parce que aujourd'hui, on le sait, dans les églises, ça devient quelque chose comme extraordinaire pour certains pasteurs. Prospérité. Prospérité. Ils ne savent même pas que le temps est déjà proche. Il faut parler maintenant de paradis. Il faut parler maintenant d'action avec ton Dieu. Il faut parler maintenant que les gens sont prêts. Mais quand tu as dit de prospérité, mais tu vas avoir toutes ces prospérités pour vivre où avec? Si le temps est déjà prêt, tu vas vivre avec tes prospérités, ou tes voitures, tes trucs, tes biens, avec où avec? Parce que là-bas, il n'y a pas une place pour ça. C'est le moment de parler maintenant, de dire, voilà, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt maintenant? Amen, amen. Tu te parles de prospérité, c'est vrai, Dieu, c'est un Dieu qui prospère avec les gens. Quand tu es avec Jésus-Christ, tu n'as pas besoin, parce que quand ta vie avec lui, ça marche. Comme les gens disent ici, c'est pas en anglais, hein, ça se match, quoi, ils le disent, mais est-ce que tu as besoin de ça? Ça vient toute seule. Amen. Parce que ça doit montrer à ceux qui sont dehors que tu n'es plus la personne que tu étais avant. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Tu n'es plus la personne que tu étais avant. Dieu t'a transformé. Mm-hmm. Et Dieu a transformé les gens depuis qu'ils ont pris leur vie d'engagement à Jésus-Christ. Mais parfois eux-mêmes, ils se disent, est-ce que vraiment je suis transformé? Mm-hmm. Est-ce que réellement je suis transformé? Parce qu'ils n'ont pas accepté parfois de dire Amen. Mm-hmm. Quand tu regardes quelqu'un qui prêche de Dieu, quelqu'un qui dit, voilà, Jésus-Christ a fait ça dans ma vie, j'ai été délivré. Et si c'est vraiment réel, c'est ça que Jésus-Christ a fait. Mais tu passes ces moments comme ça. Pourquoi pas dire Amen? Pourquoi pas dire Jésus-Christ, ça aussi, ça doit venir dans ma vie? Pourquoi pas? Et parfois, tu dis oui, parce que on a tendance à dire toujours, Dieu fait ces choses comme il le veut à chacun. Chacun qui se nous-mêmes, qui négligeons certaines choses. Que refusons ouais. certaines choses. Mm-hmm. Parce que si Amen est égal, que cela soit ainsi, ça doit te permettre de recevoir quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Témoignage. L'Esprit, cet Esprit est derrière pour les enfants de Dieu. Amen. Tu témoignes parce que ce qui t'est arrivé, ce que tu as fait est en train de marcher avec toi. Parce qu'il a fait ça dans ta vie, c'est rester avec toi. Et quand tu transmets à quelqu'un ou tu transmets à l'ensemble de Dieu, eux aussi, ils reçoivent. Amen. 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 La Bible dit que les apôtres, avant que le Saint-Esprit rentre en action, ils sont ensemble, ils commencent à témoigner la grandeur de Dieu. Ils ont témoigné la grandeur de Dieu. Ça veut dire, ils étaient ensemble en train de dire, oh Dieu, tu es excellent. Il a fait ça parce qu'il rencontre à ceux qui étaient venus les voir, les assister, écouter la parole de Dieu. Ils témoignaient ce que Dieu a fait. Oh, il a guéri Lazare, il a fait ressusciter Lazare. Oh, il a fait ceci, il a donné à manger à des gens. Et en parlant de ça, le Saint-Esprit est venu. Et le Saint-Esprit qui est avec eux, quand ils sont passés devant les gens, quand ils parlent avec les gens, les gens reçoivent cela, eux aussi, ils reçoivent la délivrance, ils reçoivent les guérisons. Amen. Ils étaient là en train de parler seulement, rentrer dans le temple de Dieu. Ils ont vu quelqu'un, un mendiant qui était là, quelqu'un qui n'a pas ses pieds. Ils l'ont dit, lève-toi et marche, juste au nom de Jésus. Ils n'ont rien à lui donner. Ils n'ont rien à lui donner. Parce que le Saint-Esprit qui est descendu les accompagnait. Amen. Amen. Les accompagner parce qu'ils n'ont rien avec eux. Mais ils ont le Saint-Esprit avec eux. Le faiseur de miracles avec eux. Et partout où ils iront, partout où ils ont posé les pieds, Dieu a accompli beaucoup de choses dans leur vie. Amen. Il ne faut pas refuser d'entendre les témoignages. Parfois, mon épouse a l'habitude souvent d'écouter que les témoignages. Elle passe son temps à écouter les témoignages. Elle cherche les témoignages, elle écoute. Bien sûr, en priant d'abord le Seigneur pour t'orienter. Parce qu'il peut, si tu ne pries pas pour avoir le Saint-Esprit pour l'orientation, tu peux aussi tomber aussi sur les témoignages. C'est ce que je vous dis. L'Internet, c'est ça. Ils vont t'initier juste avec les témoignages. Parce que quand tu vas dire aussi Amen pour ça, tu ressens aussi ça dans ta vie. Bien aimé.
était ensemble avec elle la nuit en train de discuter, de parler. Et il y a quelque chose que je lui ai dit. J'ai dit, moi je fais des cours à l'université sur la religion par exemple. Et ce cours, il y a beaucoup de niveaux. Et il y a un cours qui touche à ce qu'on appelle les spiritualités. Les spiritualités que vous et moi, nous l'acceptons, nous faisons pour la gloire de Dieu. Les gens du monde aussi, ils font des spiritualités. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, le Saint-Esprit, pour t'orienter, tu vas tomber aussi sur ces témoignages-là. Et quand tu dis Amen aussi, tu reçois aussi. Mm-hmm. Il faut être méfiant aussi. Mm-hmm. Toujours marcher avec le Saint-Esprit. Mm-hmm. J'ai dit, mon épouse, tu regardes parfois des images. Des images qui ont été, par exemple, initiées, qui ont été transformées par des gens du monde. Mais ces images qui sont restées pendant des années, pendant des siècles. Mais quand quelqu'un prend ça juste en train d'adorer, les effets rentrent dans cette personne. Amen. Pourquoi des années et des années? Mais c'est resté. C'est resté. Les démons sont restés dedans. Et lorsque toi, tu dis oui, tu veux être initié, ils prennent juste ça pendant des années là. Ils le font avec. Et toi aussi, tu es initié. Pour dire que les témoignages aussi, cette puissance de Saint-Esprit qui est derrière les témoignages, quand tu écoutes par la gloire de Dieu, ça va te suivre, ça peut te transformer aussi. Amen. Amen. C'est la même chose. Dieu est en train juste d'imiter la puissance des témoignages. Ça transforme. Ça sauve aussi. C'est là que j'ai expliqué que mon fils était Daniel. En regardant l'internet, les choses sur internet, un esprit a poussé mon fils. Et juste un témoignage de Swan qui est passé par exemple une semaine en regardant la personne prier. Et nous aussi, quand on dit touche l'écran, tout ça, mon fils, on a dit touche l'écran. Mon fils a touché l'écran. Mon fils est sauté. Le Saint-Esprit qui est à l'intérieur l'a touché. Et mon fils est guéri. Amen. Mais amen. C'est quelque chose qui est passé il y a une semaine. Amen. Pourquoi la puissance de Saint-Esprit est encore ici? Mm-hmm. Est restée dans l'image. Mm-hmm. Dans l'image. Mm-hmm. Yes. Témoignage. La puissance de témoignage. Ça transforme. Ça transforme. Il faut accepter ça. Et quelque part, ici, on dit que il faut que quand tu regardes les bonnes choses ou des miracles qui ont été accomplis par le Saint-Esprit à travers ses serviteurs dans la Bible, il faut accepter cela. Quand tu acceptes cela, toi aussi tu es transformé. Je me rappelle quand j'étais c'était 18 ans, 19 ans, je vivais chez une tante. J'étais obligé de vivre chez cet oncle-là parce que j'avais des difficultés chez moi à la maison. Comme on dit, il y a des fois, on manque de lieu de dormir. J'étais obligé de dormir chez cet oncle. La tante était catholique, elle n'était pas à l'église catholique. Mais nous, nos histoires de dire prier, crier, parler à l'homme, imposer, implorer Dieu, tout ça, là, non, écoute, tu es en train de faire des bruits à la maison. Et parfois, de midi, même à l'église, on m'interdit d'aller à l'église. Amen. Mais chaque fois, je passais de mon mieux, je faisais de mon mieux pour me rendre à l'église. Même si je reviens, me donne pas à manger, mais je suis content parce que j'étais parti au moins à l'église. Jusqu'au moment où un serviteur de Dieu m'a appelé un jour pour me dire, Dieu m'a donné les directions. Dieu m'a donné le ministère, je veux l'ouvrir, je n'ai pas quelqu'un, mais c'est toi que je veux, on va travailler ensemble. J'ai dit, ah, pasteur, mais comment je vais faire avec ma tante là, qui ne veut même pas que je sorte. Parler même de l'église, venez les gens prier à l'église, à la maison, c'est mon tour de venir prier à la maison. Quand je viens à la maison, ils chassent les gens. Mais comment je vais faire? Le pasteur me dit, vas-y. Puisque Dieu m'a choisi, il m'a dit d'aller avec le ministère. Moi aussi, je me suis tourné, j'ai prié Dieu. Dieu t'a choisi, il m'a dit, j'étais pris, allons-y. Et j'ai commencé à aller à l'église, malgré moi. Il y a des jours, on me disait, on mettait des pressions pour me mettre dehors.
pour me mettre dehors. Mais j'allais quand même. Mais le Saint-Esprit, le jour où c'était le moment de me mettre dehors, quelque chose arrivait. Il dit, ok, je vais te mettre dehors demain. Et demain, ça n'arrivait pas. Quelque chose arrivait. Il dit, bon, c'est lundi, tu vas partir. Et j'étais là toujours. J'ai passé deux ans dans la maison. Qu'est-ce que quelque chose s'est arrivé? Mais les gens venaient dire que voilà, maman, l'église là où le frère Ulrich ou ton fils va là, il y a des choses qui se passent. Il y a des miracles, des choses qui se passent là-bas. Oh, elle a dit, oh non, l'esprit, c'est ça. Nous connaissons les gens, ils font des petites choses, tout ça. Bon, les gens le disent toujours. Mais là, une nuit, elle était tombée malade. Elle était tombée malade. Quand quelque chose vraiment la saisissait dans ses coups, elle ne pouvait plus respirer. Ouais. Elle se battait, elle se débattait dans sur son lit. Et elle commençait à crier, Ulrich, viens avec ton Dieu, prie pour moi. Viens avec ton Dieu, tu pries pour moi. C'est ce qu'elle a dit. Mais ce jour-là, moi étant aussi jeune dans l'esprit, dans le ministère de Jésus-Christ, j'avais des doutes aussi. Je dis, ah, mais si je vais là-bas et que je prie et que rien se fait, elle m'a dit que effectivement. Effectivement, vous partez pour rien. Ça, c'est humain qui était arrivé à moi. Mais quelque chose m'est venu dans la tête. Il dit, c'est le moment où Dieu veut prouver à cette dame que là où tu vas, le Saint-Esprit agit. Je suis sorti dans ma chambre. Je suis rentré dans sa chambre. Je lui ai seulement dit, Dieu peut te guérir si tu dis seulement, Jésus, je veux que tu viennes dans ma vie. Transforme ma vie. Et elle a répété ça. On n'a même pas prié. J'ai juste donné, j'ai touché juste sa tête. J'ai dit, Jésus, fais ce que tu as dit que tu vas faire pour qu'elle puisse quand même que tu existes. Et je suis rentré dans ma chambre. Et elle a commencé à respirer. Et le lendemain, je suis parti à l'école. Mais quand je suis arrivé de mon retour, c'est parce que le quartier qui parle de ça, de ce témoignage. Que ta maman dit que hier, tu as prié pour ça, et quelque chose est sorti d'elle. C'est elle qui a rencontré partout. Avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puissance de témoignage. Amen. Et ces gens dans le quartier commencent à m'appeler pasteur. Parce qu'on leur a dit que j'ai un Dieu. Amen. Pour dire que si toi aussi, tu acceptes, et j'ai oublié quelque chose, avant que je sorte pour aller, pour que j'écoute ce message, c'est que j'ai pensé à David. J'ai pensé à David. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pensé à l'effort que quelqu'un qui s'est levé, très jeune, qui dit, je vais avec la gloire de Dieu. Je vais avec mon Dieu. Et quand j'ai pensé à ça, c'est là que j'ai reçu cette voix de Dieu d'y aller. Et je suis resté chez cette dame. Et c'est dans cette maison de cette dame qu'on prie maintenant chaque jour. C'est ici qu'on évangélise. Amen. Pour dire que Dieu existe. Dieu fait des grandes choses. Amen. Si tu acceptes seulement. Alléluia. Si on n'avait pas accepté, si on n'avait pas dit que dans notre église là-bas, où je vais, il y a des choses qui se transforment, il y a des miracles. Elle l'a su, elle sait, mais son cœur, elle refusait toujours. Mais ce jour-là, elle était malade et elle a su, elle a dit, elle s'est rappelée, on me dit, là-bas, tu es agi. Et elle a crié, viens avec ton Dieu. Amen. 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 Dieu va faire aussi pour toi. Alléluia. Dieu va faire aussi pour toi. Amen. Dieu va faire aussi pour toi. Amen. J'ai pas encore écouté. Dieu va faire aussi pour toi. Amen. Dieu va faire aussi pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes en train de finir. Mais c'est juste pour savoir si, quand tu écoutes ces témoignages, qu'est-ce que tu t'en dis souvent? Qu'est-ce qui te vient à l'idée? Est-ce que je peux vivre aussi ça? On refuse parfois de dire Amen là-bas, mais en train de rentrer chez nous, on dit, est-ce que je peux vivre ça? Moi aussi, je veux vivre ça. Amen. Et tu le dis souvent comme ça. Amen. Aussi. Mais tu as oublié que tu as refusé parfois d'accepter, mais quelque part, de l'humain, tu dis, tu veux vivre ça. Mais dans l'esprit, tu as refusé. Avec ton esprit, où tu vas très attaché avec le Saint-Esprit, pour prendre ça, tu avais refusé tout à l'heure. Mais de personne humaine, physique, tu retournes, tu dis, ah, je veux aussi ça. Mais je vais te dire quelque chose. Ce Dieu-là, qui a fait des choses, qui a fait libérer son peuple à l'Égypte, ce même Dieu,
qui a aidé David pour déraciner Goliath. C'est ce même Dieu qui a fait beaucoup de choses. Va le faire pour toi aujourd'hui. Amen. 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 Oui, souvent. J'écoute une fois. Moi aussi, je le faisais avant. Quand je prie, je commence à dire, oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais j'ai oublié à dire souvent aussi, Dieu de milieu riche. Amen. Amen. J'ai tendance juste à dire, c'est Dieu de Jacob seulement. C'est comme si c'est seulement le Dieu de Jacob, c'est seulement le Dieu d'Abraham. On le dit souvent. On oublie parfois de prononcer nos propres noms. Amen. Amen. Il faut prononcer ton propre nom. Amen. Il est aussi ton Dieu. Amen. Amen. Si tu crois seulement, c'est ça qui fait nos limitations. Amen. Il est seulement Dieu de Jacob. Amen. Et on le dit plus fort, Dieu d'Abraham. Oui, c'est vrai. C'est nos pères dans ça, dans l'esprit, dans le Saint-Esprit. C'est nos pères dans la foi. Mais ce même Dieu est ton père. Oui. Amen. Amen. N'oublie pas de dire, prononcer ton nom. Et quand tu prononces cela, il est fier. Amen. Il est fier de lui. Tu dis devant lui qu'il est là, tu dis, il est. C'est mon Dieu. Amen. Tu reconnais. Dans le monde, des gens reconnaissent aussi que le diable est aussi leur papa. Ils reconnaissent cela. Il le dit. Je me rappelle, j'étais en train, puisqu'on était dans l'équipe de tournage, parce que c'était mon ancien métier avant, le cinéma, on était dans le tournage d'un artiste, et l'artiste avait des bagues, comme le passeur disait ici. Des bagues, là, les gros bagues, là, ils ont leurs bagues. Et après, l'artiste commence à se vanter en disant à un autre artiste qui est meilleur que lui, il a dit, ce que j'ai, c'est, je viens d'accepter le diable comme mon papa. Mais quand le jour où je vais en avoir deux, je vais dépasser l'autre. Et c'était ouvertement. Ouvertement. Et on était tiqués, on disait, mais écoute, il parle de diable comme ça ou il est en train de blaguer. Mais il nous montrait, il nous montrait ça, que voilà, j'ai ça, le bac là, et quand je veux en avoir d'autres, je vais être plus puissant, parce que j'ai accepté Dieu ici, en prenant ça, j'ai accepté Dieu comme mon papa. Et quand on était rentré, quelque chose a touché ma sensibilité. J'ai dit, si le monde aujourd'hui, les gens acceptent que Dieu est leur papa, physiquement, et combien de fois des gens qui aiment Dieu, qui ne peut pas affirmer aussi que Jésus-Christ est leur papa. Alléluia. Il y a des gens qui veulent aussi montrer à leurs collègues du travail qu'ils servent Dieu. Ils ne veulent pas montrer parce que s'ils montrent, on va dire, mais est-ce que ce Dieu n'existe pas là? Ils vont lui poser des questions. Mais ils ne veulent pas le montrer parce que si je montre que je suis chrétien, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu cherches là-bas? Tu n'existes pas. Ils vont dire des choses que je ne veux pas, donc je ne le montre pas. Amen. Mais si tu ne le montres pas, tu n'affirmes pas que Jésus-Christ est ton Dieu. Si tu ne le fais pas sans le savoir, comment il va être vraiment dans la joie pour toi? Il peut le faire si tu acceptes le Amen. 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 Si tu acceptes le Amen dans ta vie. Amen. Si tu acceptes que cela soit inscrit dans ta vie. Amen. Que Jésus-Christ demeure dans ta vie. Amen. Partout ailleurs, il a dit témoigner. Allons partout. Témoigner, mais il faut témoigner. Amen. Il faut témoigner. Jean 1, 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, parce qu'il est grand somme, il a donné le pouvoir, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est le mot de pouvoir qui m'intéresse. Amen. Il n'a pas dit, il a donné la possibilité. Non. Le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Le pouvoir. Parce que si vous lisez la Bible, parfois, on le lit comme ça, bon, on est enfant de devenir enfant de Dieu. Mais il faut lire mot par mot. Le pouvoir. Pourquoi pas l'opportunité d'être un enfant de Dieu? Pourquoi pas, mais ils disent le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Parce que dedans, quand tu es un enfant de Dieu, tu as ça, c'est comme d'héritage. Tu as quelque chose qui vient de te rentrer en toi. Tu viens d'être une nouvelle personne et tu as le pouvoir d'agir, de dire ça s'accomplit dans ma vie. Et cela, c'est ça. Parce que nous lisons la Bible parfois, on le lit comme le frère Seigneur l'a dit samedi passé, on ne lit pas la Bible comme un roman, roman policier, le journal à la maison. C'est ça qui nous tue. On veut lire la Bible, on veut lire juste parce qu'on veut lire la Bible. Et quand on tombe sur les messages de proximité, on dit « Alléluia !»
Parce que c'est prospérité seulement. Alléluia. Quand on dit oui, tu vas être délivré, dis alléluia. C'est le mot seulement, le petit mot seulement de délivrance, ceci, qui nous intéresse. Mais c'est quand je lis, est-ce que je comprends quelque chose derrière? Comme on l'a dit ici, Jean 1, 12, je ne sais pas si c'est ça que j'avais dit tout à l'heure, 1, 12, on parle de pouvoir, la puissance, quand tu deviens un enfant de Dieu. Pourquoi se plaindre quand on est un enfant de Dieu? Et je vais répéter, c'est que la Bible est remplie des promesses de Dieu. Amen. 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 Et comme je l'ai dit, les serviteurs de Dieu sont là en vie ici, juste pour retrouver ces promesses-là et de prendre les promesses, de faire de sorte que ça rentre en nous, ça devient nos promesses. Amen. Amen. Quand tu t'écoutes parler de David, tu as pris ce que David a fait, tu mets le nom de David à part, tu prends ton nom, tu mets à côté. Amen. Ça devient pour toi. Mm-hmm. Et c'est ça. On prie pourquoi? On prie pas pour machin, on prie parce que on veut que cela, ces promesses de Dieu là, que ça s'accomplisse dans nos vies. Amen. C'est ça nos prières. Amen. C'est ça nos prières. Nous avons déjà ça. Et comme le frère Sylla disait, Dieu a déjà orienté, mais aussi, comme le papa, il a dit, est-ce que des gens comme vous, vous donnez des bonnes choses à vos enfants là? Et si moi je peux donner des serpents? Non. Pour dire que Jésus-Christ sait, le Dieu sait qu'il a déjà planifié des choses pour toi, qui étaient établies dans ta vie, mais tu peux aussi lui demander certaines choses, en plus de ce qu'il a prononcé pour toi. C'est pourquoi il dit, si vous demandez, vous pouvez me demander, je donnerai toujours les bonnes choses. C'est pas dit que oui, Dieu va dire non, mais j'étais déjà planifié quelque chose qui va arriver bon, à 20 ans là, attends seulement. C'est ce que tu me demandes là, ne me demande pas non. Tu peux lui demander ça aussi. Ce sont tes promesses. Amen. Ce sont tes trucs à toi. Amen. Tes victoires. Amen. Tes victoires sur la croix. Tout ce qu'il a été, qu'il a fait sur la croix, ça devient comme des promesses. C'est nos victoires. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, la Bible dit, tu as cette puissance-là, tu as le pouvoir-là d'être son enfant et d'avoir tout ça. Tout ça vient juste avec. C'est quand tu achètes un truc de Dell ou de Bell, ils disent des kits, ils t'apportent certains choses. Tu n'as pas juste le téléphone, ils t'apportent certains accessoires à vous dire. C'est ça Dieu. Juste tu l'as accepté, mais les accessoires sont là déjà pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Amen. Tu as écouté la parole de Dieu aujourd'hui. Lui-même, il t'a parlé. Ce n'est pas le frère Ulrich qui t'a parlé. Moi-même, il m'a parlé. Amen. Il m'a fait rappeler aussi les témoignages qu'il a fait, que j'ai oublié depuis 18 ans. C'est parce qu'il m'a parlé. Il a voulu à ce que je puisse me rappeler de ça. Parce qu'un serviteur de Dieu dit, chaque fois quand tu veux parler à ton Dieu, rappelle-toi des œuvres que tu as faites aussi avec Jésus-Christ. Rappelle-toi des passages que tu as eues avec Dieu. Des marches que tu as eues avec Dieu. En 10 ans, tu étais telle personne. Tu prêchais, tu étais dans la salle des cours, tu prêchais Dieu. Tu lui dis des choses. C'est ça, ce que tu as fait avec Jésus-Christ. Rappelle Dieu aussi de ça. C'est vrai, il connaît tout. Mais il attend aussi souvent que tu parles de ça. Seigneur, je suis ton fils. N'est-ce pas moi qui faisais ça? N'est-ce pas ça, Seigneur? J'ai besoin de ton aide maintenant. Amen. Amen. Rappelle Dieu aussi ses promesses. Ses promesses sont là pour toi. Mais quand tu pries, prends ces promesses-là et tu le dis. Un serviteur de Dieu, il faut avoir les techniques ou les manières de parler à Dieu. Il ne faut pas venir parler, prier à Dieu, de dire des choses ou nos bons français. Non, il faut savoir vraiment ce que parfois, quand tu quittes même la maison pour venir, là, parfois tu sais déjà ce que tu dois dire à ton papa aujourd'hui. J'ai donné l'exemple ici, quand notre papa rentrait, tout le monde avait quelque chose à lui dire. Parce qu'on préparait ça, on savait quand il va venir, on va lui dire ça. Amen. Parfois, il faut pousser la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Provoquer la bénédiction. C'est ça. Qui peut provoquer quelque chose que le monde ne peut pas provoquer. Amen.
Prie à ton Dieu. Dis des mots à ton Dieu. Dis des prières à ton Dieu qui touchent ton Dieu ce soir. Tout en se disant que, oui, papa, je fais des erreurs. Parfois, quand ta parole sort, je lui dis Amen. Et je ne reçois pas. Qui te transforme, qui te donne l'envie d'être prêt ou prêt à dire Amen quand tu écoutes sa parole. Et dans ta vie aussi, tu dois témoigner pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas des petits témoignages par-ci. C'est témoignage parce que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint est derrière qui accompagne. Puisque c'est quelque chose qui est pratique, qui était réel, qui était arrivé dans ta vie parce que Dieu a soutenu ta vie. Mmh. Et cette chose que tu es, quand tu parles aux gens, quand tu témoignes aux gens, l'Esprit, quand quelqu'un accepte selon Amen, le Saint-Esprit qui est derrière, qui t'a fait ces choses-là, qui t'a délivré, va délivrer aussi la vie de cette personne. C'est important. D'entrer dans la prière avec nous, je veux prier le Seigneur pour le peuple de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur. Papa, tu es bon et tu es merveilleux, Seigneur. Merci Seigneur. Papa, tu nous as parlé ce soir. Mm-hmm. Tu nous as donné le secret de recevoir, Seigneur. Et des secrets très simples, l'Éternel. Juste de dire Amen. Amen. Quelque chose que nous ne disons pas, Seigneur, souvent, Amen, l'Éternel. Pour que cela soit ainsi dans notre vie, l'Éternel. Papa, ouvre nos pensées maintenant à recevoir ta parole et de dire Amen. 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 Que nous nous rappelons chaque fois que l'Éternel, les témoignages que nous avons, nous devons aussi transmettre à d'autres, l'Éternel. Pour que eux aussi, ils reçoivent, l'Éternel, ce que tu as donné dans notre vie. Amen. Au nom de Jésus, l'Éternel, je brise, Papa, tout esprit d'oubli. Au nom de Jésus, je prie cet esprit, tout esprit, Amen. Papa, de fanatisme, de ne pas accepter la parole de Dieu. Amen. Bénis ton peuple, éternel. Bénis ton peuple, éternel. Bénis ton peuple, éternel. Bénis ton peuple, éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.